Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? Bonsoir à tous. Nous aurions pu ouvrir cette séance avec d'innombrables autres exemples, dans la mesure où il y a des milliers, je dirais même des dizaines de milliers de documents, de photographies, de chansons comme celle-ci de Nat King Cole, de films, de bandes dessinées. Nous allons voir quelques exemples qui auraient pu vous introduire à cette séance de ce soir. J'ai choisi cet extrait parce que je trouve qu'il est très représentatif de ce succès étrange, mystérieux, de Mona Lisa, de la Joconde. Vous avez reconnu Nat King Cole, qui donc est ce chanteur de jazz des années 50. C'est un enregistrement de 1950. Mais la chanson elle-même est une vraie curiosité, puisque c'est une chanson qui a été écrite en 1950 pour un film qui s'appelle Le Capitaine Carré USA, qui est un film en fait qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale durant laquelle un commando d'OSS a été trahi par un des siens. Et après la guerre, un des membres de ce commando vient et essaye d'enquêter pour savoir qui l'avait trahi, comment on l'avait trahi, etc. Donc aucun rapport avec Mona Lisa. Mais la chanson du film, qui a eu cette année-là le grand prix de la chanson aux États-Unis en 1950, s'appelait Mona Lisa et parle du sourire, pour ceux qui parlent anglais, vous l'avez compris, du sourire de Mona Lisa, de ce sourire merveilleux, de cette idée de l'amour que ce sourire peut provoquer. Donc je trouve que c'est par définition une bonne introduction à ce sujet de ce soir, dans la mesure où tout d'un coup Mona Lisa, la Joconde, surgit dans un film où en principe elle n'a rien à voir, mais son succès étant déjà en 1950 bien installé, les auteurs avaient voulu faire référence à ce tableau célébrissime. Donc je vous le disais, on aurait pu prendre des dizaines, des milliers d'exemples. Donc la conférence de ce soir est par définition subjective. J'ai fait une sélection des documents, des images qui me paraissaient amusantes ou intéressantes pour traiter de ce sujet de la jocondomania, c'est-à-dire de la passion folle, démesurée parfois pour la Joconde. Alors on parle évidemment aussi de jocondophiles, les amis de la Joconde, qui sont peut-être un peu plus sages, un peu plus mesurés que les jocondomanes, qui eux, par contre, adorent ce tableau. Et puis, d'une manière beaucoup plus générale, en fait, c'est un courant, c'est une réalité qui traverse les continents, qui traverse le temps, qui est le succès de ce tableau, le succès très, très mystérieux. Alors, nous allons essayer de nous intéresser aux raisons de ce succès universel, et nous allons commencer donc à voir quelques-unes de ces explications, la première étant bien sûr la personnalité même de Léonard de Vinci, le génie universel, cet homme qui est devenu, je dirais, le symbole même du génie, de l'homme au-dessus du commun, de l'homme qui est capable d'inventer, de transcender. Et cette personnalité est une des explications, peut-être pas forcément la plus importante, mais est une des explications du succès de la Joconde, qui est un de ses tableaux les plus réussis. J'ai volontairement pris ce petit personnage qui s'appelle Léonard, qui ne s'appelle pas Léonard de Vinci, mais qui s'appelle Léonard, qui est apparu en 1977 dans une série d'albums qui existe encore aujourd'hui. On en est au 46e ou 47e volume. Donc les deux auteurs sont cités en dessous, De Groot et Turk. Turk est celui qui dessine, qui a inventé donc ce personnage de génie qui est entièrement inspiré, bien sûr, du physique de Léonard de Vinci et également de son travail, puisqu'il passe son temps à inventer des machines étranges, un peu dans le même esprit de celles qui sont sur la scène aujourd'hui. Donc Léonard est un génie et de fait, sa personnalité, sa figure explique sûrement le succès de la Joconde. Vous avez ici deux portraits qui montrent à quel point la caricature précédente a bien été inspirée de son image. Un génie qui meurt dans les bras d'un roi. En 1818, Ingres représente la mort de Léonard de Vinci
dans les bras de François Ier, un tableau qui se trouve au Petit Palais à Paris. Donc c'est un homme qui est au niveau des rois, et même au-dessus des rois, finalement, puisque le roi vient lui rendre hommage au moment de son décès. Je n'insiste pas sur des images ou sur des réalités que vous avez vues aujourd'hui, un homme qui reprend toutes les proportions mathématiques du corps humain avec l'homme de Vitruve, ou qui invente des machines formidables comme celles que nous avons autour de nous. D'ailleurs, une grande partie des ouvrages qui parlent de lui s'intitulent « Léonard, le génie de la Renaissance », les secrets d'un génie, enfin vous voyez que cette notion revient sans cesse. Et évidemment, quand un génie peint, son œuvre ne peut être qu'exceptionnelle, et on a là une des clés du succès de Mona Lisa. Donc Léonard est un génie, insistons bien, avec à nouveau de Grotte et Turc. Et bien évidemment, comme tous les génies, c'est un initié, c'est un homme étrange, c'est un homme mystérieux, on ne comprend pas très bien exactement quelles sont ses motivations, il y a des mystères autour de lui. Bien sûr, le Da Vinci Code a exploré cela, avec la Joconde, bien sûr, pour ceux qui ont vu le film, avec ces mystères cachés qu'il faut retrouver pour retrouver un personnage important proche du Christ, vous connaissez l'histoire. Donc tout cela est une des premières explications. Il y en a d'autres, et puis il y a surtout le tableau lui-même, qui est devenu très tôt une référence technique, une référence esthétique pour tous les contemporains. Donc très tôt, le tableau a été célèbre. On a évidemment une explosion de la célébrité au XXe siècle, mais très tôt, le tableau a été célèbre. J'ai pris là, juste pour l'illustration, une image d'un documentaire qui est passé sur France 3, qui montre Léonard de Vinci au travail en train de peindre la Joconde. Les raisons techniques, les raisons esthétiques sont, je pense, vraiment très importantes dans la mesure où le tableau étant un tableau réputé parfait, en tout cas du vivant de Léonard, les contemporains ont cherché à l'imiter, et il est clair que la manière dont on a pu l'aborder explique son succès, puisque pour les artistes, c'était une référence. Alors là, j'insiste sur une chose, la Joconde n'est pas une toile. Alors, on aura l'occasion de voir une ou deux illustrations de cette réalité tout à l'heure, mais c'est un tableau qui est peint sur un panneau de tilleul. Vous avez donc le revers à gauche de l'image. C'est un tableau donc qui avait été voulu par son auteur comme précieux. À l'époque, d'ailleurs, on travaillait toujours sur bois. La toile arrive un peu plus tard dans l'histoire de la technique picturale. Mais ce panneau lui-même est d'une très, très belle technique, très bien débitée et d'une finesse tout à fait exceptionnelle. Alors, vous avez en haut, à droite du panneau, la trace, je le montre ici, d'une fente, qui est une fente ancienne, qui a été traitée dans le passé, et qui m'évoque un souvenir très très précis, qui permet de comprendre le succès de Mona Lisa. Il y a quelques années, c'était en 2005, nous avions l'impression, et un peu plus que l'impression, que cette fente avait tendance un petit peu à bouger, peut-être à s'élargir, enfin bon, donc nous étions un petit peu inquiets. Nous avons décidé de faire des essais, de faire des tests, de faire des examens un peu poussés, et il pouvait arriver, grand drame, que Mona Lisa ne serait pas présentée au Louvre pendant une journée. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais cela pouvait arriver. Donc pour éviter l'émeute, nous nous sommes dit, on va communiquer correctement à l'avance, de façon à ce que les choses se passent bien. Et on fait quatre lignes à l'agence France Presse. La fente de la Joconde inquiète les responsables du Louvre. Des examens vont être faits, donc relativement sobre. On envoie la dépêche à 11h10. À 11h15, mettons, allez, 16, les premiers journalistes commencent à appeler, complètement affolés. Et les titres qui sont dans les journaux à la suite de cette agence AFP sont absolument ahurissantes. Au Canada, par exemple, le titre, c'est « La Joconde est détruite ». En Italie, on a « La Joconde va-t-elle disparaître ?». Donc, quand on a un phénomène pareil, on n'a pas d'exemple de réaction aussi rapide de la presse, de réaction aussi rapide du public, de réaction presque irrationnelle, quelque part, des gens qui s'intéressent à l'art et du grand public.
Mais je trouve que c'est très très significatif de ce succès universel. Donc toutes ces questions techniques ont une réelle importance. Déjà de son vivant, je le disais tout à l'heure, le tableau était apprécié. Vasari, par exemple, qui a écrit ses célèbres vies, pour ceux qui ont assisté à toute la journée, vous avez dû en entendre parler à plusieurs reprises. Vasari, qui a vu le tableau, qui n'est pas encore aussi jaune qu'il a pu le devenir avec le temps, admire le réalisme du traitement et considère que c'est une réussite absolue, qu'on a l'impression que Léonard a réussi, avec son génie de peintre, à rendre ce personnage peint véritablement vivant. Comme vous voyez, on a l'impression qu'on voit le battement du pouls, dit Vasari, pour insister sur ce grand réalisme. Donc, bien sûr, les différents artistes vont s'intéresser à ce tableau, mais également les scientifiques. Et nous avons eu l'occasion de voir, il y a quelques instants, ces interrogations concernant la fente. Et il est clair que les scientifiques, tous les scientifiques, se passionnent pour ce tableau, veulent l'approcher, font des demandes pour pouvoir l'étudier. Et bien sûr, la technique des rayons X a été utilisée très très tôt. C'est en fait, à ma connaissance, le premier tableau du musée du Louvre qui a été radiographié. L'image d'ailleurs était à l'époque brouillée. On avait l'impression d'une sorte d'ectoplasme. Et bien évidemment, dans la presse, les gens qui ont vu cette radiographie à l'époque, dans les années 50, au moment de l'exposition rétrospective de Léonard, disent « c'est bien la preuve que c'est un génie, puisque la radiographie, la science, n'arrive pas à percer ce qu'il a fait, et on n'a pas d'image radiographique, c'est bien la preuve que c'est un génie. » Bon, c'était une explication un petit peu courte. Et depuis, de toutes les manières, on étudie tout, comme vous voyez, là, on étudie les densités du vernis, des glacis, la manière dont la carnation est faite, avec toutes les techniques possibles et inimaginables, comme si on allait pouvoir percer ce mystère de la technique de Léonard de Vinci. Et voici la radio, la dernière, qui a été faite, si ma mémoire est bonne, en 2008, qui montre tout de même une image. On voit le personnage, même si c'est une image brouillée, mais c'est un document du C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, qui est évidemment une image très émouvante, mais nous avons des dizaines, des centaines d'autres radiographies qui ressemblent à cela. En fait, ça n'est pas quelque chose de particulier. L'image radiographique produit très souvent ce genre de résultat, surtout lorsque l'œuvre a été peinte sur bois. Alors, évidemment, du vivant de l'artiste, le tableau a été copié. Bien sûr, vous avez tous entendu parler de la fameuse version du Prado que vous avez sous les yeux, qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce un original? Est-ce un tableau de l'atelier? Est-ce une copie? En tout cas, le tableau est intéressant parce qu'il nous donne une idée déformée tout de même, de ce que pouvaient être les couleurs originales et ce qui explique que Vasari parlait de cette manière de réalisme et de réalisme époustouflant. On est aujourd'hui plutôt sur la thèse d'une copie d'atelier ou d'une copie tout court. En tout cas, c'est un tableau contemporain qui a été peint par un artiste qui a vu l'original dans l'état où il se trouvait à cette période. Du vivant même de Léonard, l'iconographie du tableau va avoir un grand retentissement. On a mille fois parlé du Balthazar Castiglione, du Louvre, dont la position ressemble fortement à celle de la Joconde. D'ailleurs, Raphaël avait fait une sorte de copie réinterprétée à la plume qui est au centre, en haut, de ce tableau. On voit ressurgir le principe du cadrage, de l'image dans le portrait attribué à Andrea Solario du Louvre. Et puis cela se poursuit au XIXe siècle avec Corot qui ici représente cette version tout à fait étonnante sans paysage, La femme à la perle, ou qui représente ici La blonde gasconne, c'est le titre de ce tableau qui se trouve à Northampton, où il a décliné cet amour de la Joconde qu'il avait dans la peinture. Et puis Picasso, lui aussi, dans les portraits de Dora Maar, déclinera ce travail
de Léonard de Vinci. Donc je n'ai pris que quelques exemples pour bien montrer que dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des arts, dans l'histoire de la peinture, l'œuvre a de toute façon une grande importance. Et les artistes se sont beaucoup intéressés à ce tableau, l'ont copié, l'ont étudié, et c'est une des explications, bien sûr, du succès du tableau. Alors, évidemment, on passe de la jocondophilie à la jocondoclastie, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, assez facilement, et certains artistes, considérant que la Joconde était devenue une référence, était devenue le chef-d'œuvre par excellence, ont cherché à s'en moquer, à jouer avec, ou à le détruire plastiquement, ou à le détruire esthétiquement. Un des premiers connus qui a fait un travail intéressant est Malevitch, tableau donc que vous avez devant les yeux, qui est un tableau qui date de 1914, donc très tôt, juste après le retour de la Joconde à Paris après le vol, et qui montre donc cette vision de la Joconde cachée en quelque sorte au milieu des formes que Malevitch a, des formes cubistes que Malevitch a imaginées. Bien sûr, je ne vais pas insister sur une des plus célèbres, qui est donc celle de Marcel Duchamp, avec une des explications de la raison, de la motivation de Marcel Duchamp, hein, comme vous le voyez. Elle était si universellement connue et admirée qu'il était extrêmement tentant de l'utiliser pour le scandale. Donc on voit très bien comment est-ce que les artistes, aussi bien lorsqu'ils l'admirent et qu'ils veulent lui rendre hommage que lorsqu'ils ont envie de s'en amuser ou de provoquer le scandale, comme fait ici Marcel Duchamp, ont donc utilisé ce tableau. C'est un tableau qui est en dépôt au centre Georges Pompidou, puisqu'il appartient au Parti communiste français. C'est une origine un peu originale. Bon, autre exemple, bien sûr, avec également l'explication, la motivation de Fernand Léger, hein, la célèbre Joconde au Clay, qui se trouve au musée Biot au musée Fernand Léger à Biot, pardon, et où il explique qu'au fond, l'idée d'avoir une boîte de sardines, un trousseau de clés, de rapprocher ça de l'image du tableau, ben, c'était un bon moyen de créer quelque chose d'original et qui provoque le regard. Autre exemple célèbre, je ne développerai pas plus, Andy Warhol, qui a fait plusieurs versions de la Joconde, qui sont donc ces images très très étonnantes, où il a multiplié, en fait, comme cela, la Joconde dans toutes les positions. Et puis, le succès de cette jocondoclastie, qui se poursuit jusqu'à nos jours, puisque ici, ce joli artiste Fillon, qui n'a rien à voir avec l'homme politique du même nom, en 1966, crée une installation qui s'appelle « La Joconde est dans les escaliers », qui sera présentée de nombreuses fois dans différentes expositions. Donc, les artistes sont à l'origine du succès universel de la Joconde, puisqu'ils s'en sont préoccupés beaucoup. Ils l'ont copié, ils l'ont admiré, et ils s'en sont moqués, comme on vient de le voir. Autre raison, pourquoi ce succès universel ? Ben, la Joconde, c'est une femme. Pierre Rosenberg, qui n'est pas dans la salle, dit toujours que si on veut avoir du succès dans une exposition, la femme, ça marche toujours. Il dit ça, évidemment, riant, et sans aucun machisme. Mais c'est vrai que le portrait féminin a toujours eu une grande importance dans l'histoire. Le fait que ce soit une femme qui représentait une femme mystérieuse, une femme que l'on a considérée comme fatale, évidemment, est une autre de des explications de ce succès. Imaginez que le Marquis de Sade disait « elle est l'essence même de la féminité », Jules Michelet, pourtant un homme quand même sérieux, qui passait beaucoup de temps à s'occuper de sa femme et de ses maladies, « je suis attiré par elle comme un oiseau par un serpent ». Donc dans la littérature, on voit en permanence ces références qui sont des références très très clairement à la femme, au mystère de ce modèle, au mystère de ce personnage, et qui explique évidemment son succès. D'ailleurs, du vivant de Léonard, le fait que ce soit une femme avait été très clairement utilisé par certains artistes, et peut-être même par Léonard de Vinci lui-même, puisqu'il y a du vivant de Léonard, et le modèle est vraisemblablement de Léonard ou d'un de ses élèves, ce que l'on a appelé la Mona Vana, la femme nue, Mona nue, et il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples contemporains de Léonard qui sont des variantes
où on retrouve un personnage qui, évidemment, n'est pas typé exactement de la même manière que Mona Lisa, mais qui est exactement dans la même position, avec le même sourire, mais qui, cette fois, est torse nu, ce qui donne, évidemment, un univers pictural, un univers sensuel complètement différent du tableau de la Joconde. Mais ça rappelle également que, bon, ben, Mona Lisa, elle peut être aussi considérée comme une incarnation de l'éternel féminin. Et évidemment, d'un mythe à l'autre, on passe très vite et on comprend très bien comment est-ce que ce succès va être décliné. Il y a là aussi des centaines, des milliers d'images de femmes, d'actrices, de chanteuses, de femmes politiques, de femmes célèbres qui sont représentées. Parfois sérieusement, parfois caricaturalement, en Joconde. Vous avez ici une version Marilyn Monroe, alors pas du tout dans la position de la Joconde, mais devant le paysage de Mona Lisa, qui montre comment deux mythes se rencontrent. Et puis alors, elle a été bien soignée, je dois dire, parce qu'ils en ont fait de nombreuses versions, les artistes américains et pas seulement. J'en ai choisi que trois, mais on en a des dizaines, qui montrent donc Marilyn Monroe en Joconde. Et on comprend très bien comment est-ce que l'idée de jouer ainsi avec ces deux femmes fatales, comme on le ressentait, peut s'expliquer. En plus, il y a une pub discrète sur la gauche sur laquelle je glisse. Alors voilà, des exemples, j'en ai sélectionné quelques-unes de ces femmes qui ont été représentées en Joconde. On aura l'occasion de voir d'ailleurs que les hommes aussi y ont eu droit. Mais pour une actrice, j'allais dire quelque part, la consécration, c'est d'être à un moment représentée en Mona Lisa. Alors, on peut jouer à retrouver les actrices. En haut à gauche, c'est la princesse Leia de La Guerre des Étoiles, Carrie Fisher. À droite, c'est Marina Vladi, qu'on aura l'occasion de revoir tout à l'heure. Ensuite, Madonna, alors avec ce montage assez étrange du masque de la Joconde qu'elle tient dans la main. Et puis, des choses plus contemporaines, en bas à gauche, Scarlett Johansson, Monica Bellucci au milieu, et Megan Fox, un peu plus hard, à droite. Alors, bon, évidemment, la Joconde, c'est une femme, alors parfois, ça ne se termine pas forcément très très bien, mais on la retrouve partout, et évidemment, dans les magazines que l'on qualifie de masculins, on l'a utilisée aussi, dans lui ou dans Playboy, il y a eu des couvertures, il y a eu évidemment d'innombrables montages photographiques à l'intérieur. J'ai juste retenu ces deux exemples. Il n'y a pas trop d'enfants dans la salle, mais bon, ça va, c'est quand même pas non plus un immense scandale. Et puis, évidemment, on va jusqu'à la caricature. Peggy la cochonne du Muppet Show, ou la sensuelle, et puis Falbala, la belle Falbala d'Astérix, qui ont, elles aussi, posé, malgré elles, en Joconde. Donc, à la fois dans l'humour et puis dans une considération un peu plus sérieuse, on voit que quand même une des raisons qui explique ce succès universel, c'est que c'est un portrait féminin et que c'est un portrait qui a intrigué les contemporains et toutes les générations suivantes. Quelle est cette femme? Est-ce que c'est une femme réelle? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est une incarnation de l'éternel féminin? Est-ce que c'est une représentation allégorique d'un type de femme? Tout ça est évidemment tourne autour de la même idée. Qui est cette femme? Qui est ce modèle? Et bien évidemment, toutes les interprétations ont pu être avancées. Alors, quand même, il y a des événements qui ont été plus particulièrement à l'origine de ce succès universel. Des événements qui ont, je dirais, qui ont en quelque sorte synthétisé tout ce que l'on vient de voir. Et le premier important, quand même, est le vol de 1911. Vous voyez la phrase de Friedlander, que la notoriété de Mona Lisa, encore accrue par le vol sensationnel, est devenue fastidieuse. Bon, ça, c'était son interprétation. Mais il insistait, le grand historien de l'art, déjà sur cette réalité du succès qui vient de ce vol, la Joconde ayant disparu des cimaises du Louvre pendant presque 2 ans, puisqu'elle réapparaît au Louvre après avoir été redécouverte à Florence en 1913. Alors, je ne reviens pas sur le vol de Mona Lisa, qui a fait l'objet, on va le voir, de plusieurs ouvrages. Il se trouve que c'est le peintre que vous avez à gauche, Louis Bérou, qui aurait, alors les témoignages divergent, mais enfin apparemment ça a l'air d'être sûr, découvert que la Mona Lisa n'était plus accrochée en venant travailler dans la salle où il était en train de copier le mur pour un tableau. Louis Bérou s'était spécialisé entre autres
dans les images des salles du Louvre. Il en a fait un assez grand nombre. Et donc, il avait l'intention de peindre une partie de cette salle. Et donc, il travaillait dans cette salle. Et arrivant le matin avec son chevalet et son projet de tableau, il n'a pas retrouvé la Joconde. Comme vous voyez, les clous sont vides, la photo est célèbre. Le tableau avait donc été volé. On connaît bien les circonstances du vol. On peut même, si on en a l'envie, et j'ai eu la chance de le faire avec un des auteurs d'un des livres sur le vol, Robert Noah, faire le circuit entier qu'a fait le voleur, Vincenzo Perugia, en partant depuis le mur où était accrochée la Joconde à l'époque et en passant par l'escalier dérobé où il a pu la sortir du musée et s'enfuir avec le tableau. Alors le vol provoque une immense émotion et c'est évidemment de là que vient une grande partie de ce succès, de ce renforcement du succès. Tous les journaux du monde entier parlent de ce vol, s'indignent de la manière dont ce vol s'est déroulé. D'ailleurs, tous les responsables du Louvre sont mis à la porte et remplacés à la suite de ce vol. Et évidemment, il y a cette réaction forte de la presse et du peuple français et du peuple européen et du monde entier face à la perte d'un morceau essentiel du patrimoine pictural. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas exactement au départ comment le vol a été perpétré. Et bien sûr, cela provoque une grande émotion dont les journaux se font les témoins. Et puis, on attend. Et il y a des nouvelles qui viennent de temps en temps. Et progressivement, cela devient un peu aussi un gag quelque part, comme vous voyez à droite avec le guide gardien qui fait visiter les clous de la Joconde, ou le personnage qui à gauche, a un journal, l'as-tu vu la Joconde, l'air de dire on va lancer des appels à témoins pour retrouver la Joconde. Et il y a donc des caricatures, des articles plus humoristiques, et puis surtout tout le monde attend. Vous voyez, ça devient une habitude, un clin d'œil d'envoyer des cartes postales avec la Joconde. À gauche, elle est sage. À droite, par contre, elle fait un pied de nez. Elle est partie. J'ai dit au revoir et je ne suis pas sûr de revenir. Et puis, au milieu, une image très amusante, c'est la mi-carême de l'année 1912. Et les étudiants de l'École des Beaux-Arts font, comme ils l'ont l'habitude, un char pour traverser Paris, et ils viennent évidemment devant le Louvre. Et sur ce char, il y a la Joconde qui est posée sur un avion parce qu'elle s'est envolée, elle est partie, et on ne l'a pas retrouvée. Donc ça donne une idée de cette inquiétude, de cet amusement aussi, qui est provoqué à la suite du vol, et surtout par cette période d'attente où il ne se passe rien, où on ne retrouve pas le tableau, et où évidemment tout le monde se pose des questions. Et puis l'affaire se dénoue, bon, la chose est connue, le tableau est retrouvé chez un Florentin, Vincenzo Perugia, qui avait effectué le vol, qui avait cherché à vendre le tableau, qui le gardait chez lui, on dit sous son lit, enfin en tout cas dans des conditions un peu naïves, et qui est donc arrêté parce qu'il a tenté de le revendre à un antiquaire florentin. Il est arrêté, le tableau est retrouvé en bon état, et il va donc être présenté pendant quelques temps aux offices à Florence avant de revenir à Paris. Vincenzo Perugia va devenir un personnage très très populaire, en tout cas très médiatique. Vous voyez ici ces documents, à gauche une sorte de photomontage avec ses dessins qui montrent comment il a procédé à la suite des aveux qu'il a passés auprès de la police italienne. On voit donc tout le circuit pour échapper au Louvre dont je vous ai parlé. Et puis vous avez à droite ce document tout à fait étonnant qui est la fiche anthropométrique à la manière du fameux Bertillon de Vincenzo Perugia, un document qui d'ailleurs est passé en vente publique il n'y a pas très très longtemps, qui est un document tout à fait étonnant, qui montre les débuts du travail scientifique de la police appliqué à ce grand criminel qui était Vincenzo Perugia. Alors la presse, évidemment,
la Joconde est retrouvée, elle est retrouvée la Joconde. C'est un événement à nouveau aussi important que le vol. Et puis, des messieurs très sérieux, généralement en costume avec des beaux chapeaux et généralement aussi des belles moustaches, se font photographier devant le tableau, ici aux offices à Florence. Ce sont les conservateurs et les responsables culturels italiens qui se font photographier devant le tableau. Et puis, les responsables du Louvre, très fièrement, posent devant le tableau au moment où le tableau revient à Paris. J'aime beaucoup ces deux images. Je pense que si aujourd'hui il arrivait la même chose, au retour, il y aurait beaucoup de gens sur les photos et on n'aurait pas forcément la même allure, mais ça serait sans doute aussi curieux. Donc voilà, le vol, je pense, est une des raisons, en tout cas, ça a été beaucoup commenté de ce succès. Il y a eu tellement d'informations sur le tableau que le tableau est vraiment devenu, pour l'homme de la rue, une œuvre célèbre, parce qu'on en parlait à cause du vol. Et tous les gens qui ne connaissaient pas l'histoire de l'art, tous les gens qui ne connaissaient pas la peinture, qui ne connaissaient pas Léonard, avaient entendu parler de Mona Lisa, de la Joconde, à cause de ce vol. Et vous voyez, la presse a utilisé, d'une manière générale, toutes les possibilités et toutes les déclinaisons par rapport à cela. Donc, comme ce soir, on a un match de rugby qu'il ne faut pas rater entre la France et l'Italie, n'est-ce pas ? J'ai choisi à gauche cette caricature très jolie où on montre que la Joconde va être maintenant à l'origine d'une amitié forte entre l'Italie et la France, puisque l'Italie l'a rendue à la France, alors qu'elle aurait pu dire que c'était un tableau italien. On aurait pu avoir des difficultés, mais pas du tout. Et donc les mains de la Joconde, les bras de la Joconde servent en fait à incarner ce rapprochement franco-italien. Et puis donc à côté, vous avez une évocation de ce que pourrait être la sécurité. La Joconde étant revenue, on pourrait enfermer les gens dans une cage pour qu'elle puisse être sécurisée. On a fait le contraire aujourd'hui. Et puis voilà, ça commence véritablement, des films, des cartes postales, des caricatures qui, dans la foulée de la redécouverte du tableau, traitent de ce thème. Et les premiers objets publicitaires, on aura l'occasion tout à l'heure d'évoquer une personnalité qui se trouve dans la salle aujourd'hui, M. Jean Margat, qui est un collectionneur jocondomaniaque, qui vous expliquera tout à l'heure lui-même sur l'écran les motivations de son travail, parce que c'est véritablement un travail de collectionneur énorme qu'il a effectué pendant des années et des années. Il a retrouvé cette étonnante sculpture en papier mâché, qui est en fait un objet publicitaire, qui visiblement date de 1912-1913, juste après le vol, et qui est un des premiers témoignages, finalement, de ce que la publicité va faire de la célébrité de la Joconde. Alors, évidemment, c'est un objet publicitaire pour des eaux purgatives. Alors, on peut un tout petit peu s'interroger, mais en tout cas, c'est un des premiers témoignages de cette transposition dans la publicité que la Joconde va connaître ensuite tout au long du XXe siècle. Alors, elle inspirera évidemment des films. On a volé la Joconde. Alors, j'aurais pu en passer un extrait, mais il y a beaucoup de documents à montrer. Film de Michel Deville, étonnant, de 65, avec, comme vous le voyez, Marina Vladi. Plus étonnant encore, Georges Chakiris, celui qui danse dans West Side Story, qui joue justement Vincenzo Perugia. On a du mal à comprendre exactement comment le casting avait été organisé. Par contre, c'est assez logique que ce soit Jean Lefebvre qui soit l'agent de surveillance qui quitte son poste et qui, évidemment, est à l'origine du vol. Donc l'affiche française et l'affiche italienne de ce film de 65 et une photo amusante où Marina Vladi, justement, s'est costumée en Joconde. On a vu tout à l'heure le résultat et où ils sont en train de faire semblant d'enlever la Joconde. Évidemment, ça n'est pas la vraie. Qui va être donc l'objet de ce film. Plus tard, des romans à chaud, la Joconde retrouvée, mais aussi plus tard, des historiens s'intéresseront à ce phénomène, qui est un phénomène quand même très étonnant, de ce succès médiatique énorme du vol de la Joconde. Jérôme Coignard, qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, et écrit plusieurs livres ou articles sur la question, à gauche, une femme disparaît. Et puis Robert Noah, qui a écrit en américain, et l'ouvrage a été traduit,
un livre sur Vincenzo Perugia qui le passionnait. Robert Noah est une personnalité très connue aux États-Unis parce qu'en fait c'est lui qui a inventé le concept de question pour un champion qui aujourd'hui est un jeu télévisé célèbre. Et il a eu comme ça une illumination un jour, il s'est passionné pour ce vol de la Joconde au point d'écrire un livre. Déclinaison également avec des bandes dessinées entières qui sont consacrées à ce sujet et qui influenceront d'ailleurs d'autres bandes dessinées qui vont de façon plus éloignée essayer d'imaginer un autre vol. Donc là, nous sommes en 1929, c'est en fait la maman de Natacha, l'hôtesse de l'air, c'est une espèce de flashback. Pour ceux qui connaissent Natacha, c'est une hôtesse de l'air à qui il arrive plein d'aventures, qui va être conservatrice de musée et qui est chargée d'accompagner la Joconde au British Museum à Londres. Et puis, des méchants veulent voler la Joconde pendant le voyage. Et comme vous le voyez, ils se défendent en utilisant la Joconde. Et la Joconde n'est pas une toile, je le rappelle. Et là, visiblement, Valteri, le dessinateur, n'avait pas résisté au plaisir de détruire la Joconde. Et donc, il en a fait une toile. Mais en fait, la Joconde n'était pas détruite parce qu'elle était dans un autre avion. Et ça, c'était un leurre qui avait été lancé contre les méchants voleurs. Donc l'histoire se termine bien. Autre explication de ce succès universel, les voyages. Ce que j'ai appelé les voyages d'une star, parce que c'est véritablement une star qui voyage. Pierre Rosenberg m'a raconté qu'il a accompagné la Joconde et qu'il était dans la voiture qui suivait le camion et qu'il y avait des policiers absolument partout, etc., lorsque l'œuvre a été emmenée au Japon. Ici, c'est donc une image très forte des foules devant la Joconde au Metropolitan Museum de New York. Regardez celle-ci, elle est absolument impressionnante. Regardez jusqu'où vont les files d'attente. On est devant le Metropolitan Museum. Nous sommes en 1963. Comme vous le savez, André Malraux avait décidé de faire voyager la Joconde. Un de mes prédécesseurs, Germain Bazin, avait refusé. Donc, il est parti. Et son successeur, Michel Laclotte, a accepté. Et donc, le tableau a été à Washington et à New York. À Washington d'abord, puis New York. Et a eu donc ce succès inimaginable. Ces milliers de gens qui faisaient la queue. Le tableau est resté un mois, pas tout à fait un mois d'ailleurs, dans chacune des deux villes. Et ça a été un véritable triomphe, les gens voulant absolument voir ce tableau qui venait les voir. Autre image de ces files d'attente. Alors c'est une autre photo, hein, celle qui est en bas, mais qui montre que c'était quotidien. Et en haut, on se met tous en file d'attente derrière le panneau Mona Lisa. Donc dans la salle, comme vous le voyez, elle était protégée par deux gardes du corps qui étaient des Marines particulièrement impressionnants. D'ailleurs, dans ses mémoires, Madeleine Ours, qui avait accompagné le tableau en 1963, raconte qu'à un moment, elle a voulu aller regarder quelque chose qui lui semblait être une tache sur le tableau. Elle a voulu s'approcher et un des marines l'a pratiquement ceinturé avec une violence folle. Donc apparemment, ils étaient efficaces. En tout cas, ils sont très impressionnants. Et le Metropolitan Museum, comme la National Gallery of Art de Washington, conserve évidemment des archives photographiques très, très émouvantes, où on voit des écoles, où on voit des groupes qui passent devant le tableau et qui sont tous très silencieux devant l'étrangeté de ce sourire. Bien évidemment, les puissants se font photographier devant, et André Malraux, qui avait fait le coup, est très très content de poser juste à côté de Jacques Ionassis et en face du président des États-Unis. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose entre deux, parce que je trouve que les photos sont quand même un peu... Voilà. Enfin, en tout cas, bon. La Joconde, apparemment, avait provoqué quelques rapprochements. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, alors, à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup des conditions de transport. Et jusque-là, c'est vrai que quand on transportait des œuvres, le grand public ne s'intéressait pas tellement à ces conditions de transport, ne serait-ce que parce que les choses étaient secrètes et qu'on n'avait pas l'intention d'en parler. Là, en revanche, il y a eu de la communication sur les conditions de transport, à la fois pour montrer que l'œuvre était très sécurisée et qu'il y avait des gens du FBI partout, qu'il y avait de la police partout, aussi bien au départ de Paris qu'au retour, aussi bien évidemment là-bas aux États-Unis et entre les deux étapes. Et on communique beaucoup, on a beaucoup de photographies sur les conditions de transport et également sur les conditions d'emballage.
Et ça, c'est vraiment très, très nouveau. On voit des photographies qui ont été publiées dans la presse de la caisse de la Joconde, de la Joconde que l'on sort de sa caisse, et de la Joconde qui fait l'objet d'un constat d'État, ce qui, pour l'époque, et certains dans la salle savent que ce n'était pas quelque chose qu'on faisait forcément spontanément. Dans tous les cas, on voit qu'il y avait un désir des responsables de parler de ces conditions de transport de manière tout à fait forte pour insister sur le fait que ce voyage ne lui faisait pas courir de risques et qu'elle pouvait voyager en toute sérénité. Aujourd'hui, on sait en revanche que ces voyages n'ont pas été très, très bénéfiques pour elle et que la fameuse fente dont je parlais tout à l'heure, si elle a bougé, c'est vraisemblablement durant ce voyage ou celui de Tokyo en 1974, qui est le dernier. Elle n'est plus sortie du musée depuis. Où là également, elle est présentée avec un succès absolument gigantesque, comme on le voit ici dans ces photos, assez rares parce qu'il y a très peu de photos, étrangement, de ce voyage de Mona Lisa au Japon en 1974. Cela explique bien sûr le succès auprès du public asiatique et du public japonais de ce tableau, puisqu'ils avaient pu, pour ceux qui étaient à l'époque à Tokyo, le voir en acceptant de faire des heures et des heures de file d'attente. Alors aujourd'hui, le tableau ne voyage plus parce qu'il est fragile, parce que, évidemment, sa notoriété même fait qu'un voyage est une chose complexe, et donc on ne risque pas de le perdre comme ça. Là, il est dans la caisse, hein, c'est dans des conditions de voyage qui seraient mal maîtrisées. Enfin, pourquoi ce succès universel ? Eh bien, le Louvre, nous-mêmes, le Louvre, nous sommes quand même un peu responsables, même un peu beaucoup, dans la mesure où depuis longtemps, mais encore davantage lors de la nouvelle ouverture des salles, de la salle des États en 2005, nous la mettons en scène. Et évidemment, pour le public qui vient la voir, elle est présentée comme une déesse dans un hôtel, toute seule, sur un grand mur, comme vous voyez. Et quand je dis hôtel, on peut vraiment le voir. Hein. On a l'architecte Lorenzo Piqueras a vraiment voulu mettre un hôtel devant pour jouer avec cette idée de cette déesse, de cette notoriété très particulière de la Mona Lisa. Et donc nous-mêmes, vis-à-vis du public qui vient la voir ici, eh bien nous la mettons en scène et nous essayons tant bien que mal de gérer son succès puisqu'elle attire un nombre de visiteurs considérable, mais en même temps nous avons accepté cela en la traitant, et c'est une des rares œuvres dans le musée avec la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, en la traitant toute seule à un endroit où elle peut évidemment recevoir ses foules et avec une certaine théâtralité tout de même qui insiste sur son côté mystérieux et sur tous ces aspects dont je viens de parler. Alors voilà, pour le plaisir, donc j'ai pris cette illustration-là pour commencer à réfléchir un peu avec vous sur ce passage du médiatique au commercial, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a cette réalité, cette œuvre est célébrissime, elle est universellement reconnue, elle fait donc l'objet d'un traitement médiatique constant, comment est-ce qu'on passe de cet aspect médiatique pur à une utilisation commerciale à travers des objets, à travers des images qui sont des images pour vendre des produits véritablement. Donc on a très clairement, dans un premier temps, une réalité qui est que lorsque l'on veut représenter un grand homme, quand on veut représenter ou caricaturer des hommes politiques négatifs ou positif, ici évidemment on ne peut pas forcément dire du bien, eh bien étrangement on utilise la Joconde pour se moquer d'eux. Et là vous avez l'exemple d'Hitler, c'est très étrange d'imaginer qu'on représente ainsi Hitler en Joconde, on représente aussi Staline en Joconde, c'est quand même très étrange. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de détourner l'image de Mona Lisa, de cette universalité, de ce mystère, de cette beauté féminine, pour se moquer d'un dictateur, ou pour le banaliser aussi, ce qui est assez étrange. En termes de décryptage de ces images, on a beaucoup de questions à se poser. On est évidemment dans une utilisation médiatique politique de la Mona Lisa qui apparaît très étrange.
et que l'on retrouve d'une manière courante. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas tellement d'hommes politiques qui ont échappé à ce traitement. François Mitterrand a eu la chance à gauche d'avoir un traitement un peu étrange, un peu original. Il est dans sa tête et dans les bras de la Joconde. Chirac est bien, bien. Et puis évidemment, Nicolas Sarkozy aussi, en 2000, comme vous voyez, il a fait l'objet de ce traitement. Mais notre président également, et c'est très très étrange d'ailleurs de voir comment les choses se passent, parce que j'ai mis les photos dans cet ordre-là, je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait, mais je pense que les gens quand même qui ont fait l'affiche à droite, et peut-être qu'ils avaient regardé la Joconde, ou peut-être qu'ils avaient regardé les caricatures, parce que quand on passe de l'un à l'autre, entre la caricature de François Hollande en Joconde, et puis ensuite un détournement d'image de son image de campagne, on arrive après l'image de campagne, c'est vrai que c'est assez troublant, enfin, c'est amusant, ça prouve que l'utilisation médiatique de Mona Lisa dans le domaine politique peut parfois aller jusqu'à servir, à entraîner les militants derrière leur leader. Alors toutes les grandes figures, tous les grands personnages, vous savez que De Gaulle disait qu'il y avait deux Français, deux connus, mais que sans doute Tintin devait le battre en notoriété, Tintin qui était belge, ce qui est un peu étrange. Mais c'est vrai que toutes les grandes figures qui sont connues dans le monde entier, les personnages qui ont du succès, qui vendent des millions d'albums ou qui vendent des millions de livres, sont représentés en Joconde, Tintin. Bon, au centre, c'est le petit détective qui se pose des questions sur le tableau, mais des deux côtés, y compris par la poste tout de même, on a repris la figure de Tintin et on l'a mise en scène en Joconde, comme d'ailleurs Mickey, l'autre grande figure de la bande dessinée ou du dessin animé, qui sera représentée en Joconde fréquemment. Alors Mickey à gauche, Minnie, Daisy. Donc tout ça est fortement logique. Et en même temps, on est quand même étonné dans la mesure où ces images n'ont plus rien à voir avec Mona Lisa. Quand il s'agit de représenter à la limite une actrice, en Mona Lisa, il y a une logique par rapport au modèle. Mais quand on représente un dictateur, comme on l'a vu tout à l'heure, un homme politique ou Tintin, ou Mickey, on part complètement dans une autre direction. Et on contracte deux mythes, on contracte deux notions célèbres qui, évidemment, créent un choc un peu étrange, comme vous pouvez le constater. Et puis là, petit à petit, évidemment, on aboutit à de la commercialisation, c'est-à-dire que, par exemple, la société Lego, le logo est dessus, donc on ne peut pas le cacher, a fait des Lego avec la Joconde. Et là, on rentre dans un phénomène différent qui est véritablement de la commercialisation. On utilise tout ce courant, toute cette force médiatique au service de la promotion d'un produit. Et pour évoquer cela, je pense qu'il faut rendre hommage à Jean Marga, qui donc se trouve dans la salle, je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez ici au centre de l'image, qui est donc au départ un ingénieur hydrogéologue, j'espère que je l'ai bien dit. Il est d'ailleurs sur la photographie en train de recevoir une médaille dans le cadre de son métier. Et il est devenu un collectionneur passionné de la Joconde. Et si j'en parle, c'est d'une part parce que cette collection est exceptionnelle, que les objets que vous allez voir ensuite proviennent de cette collection, mais également parce qu'il a fait don de cette collection de plus de 11 000 objets, documents, photos, livres, disques, films, la liste est longue, au Musée du Louvre. Elle est maintenant conservée au département des peintures du Musée du Louvre, là où cette collection doit être, c'est-à-dire à côté de la Joconde, à proximité. Et cette collection, évidemment, est un merveilleux témoignage de tout ce que je vous dis ce soir, puisque c'est bien la preuve que tous les genres, tous les types d'objets, toutes les publications, à un moment ou à un autre, ont été amenés à utiliser la Joconde. Et par ailleurs, les marques, les produits commerciaux ont très, très souvent utilisé également la Mona Lisa. Alors, il va vous en parler dans le petit film que je vais montrer, mais l'œuvre que vous avez en dessous de sa photographie est une œuvre qu'il a lui-même faite. Et il est venu à la Joconde de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au début, il a commencé par faire des découpages et des collages de cartes postales ou d'images de la Joconde qu'il réassemblait.
C'était un jeu à la fois artistique, intellectuel, et il trouvait que l'image de la Joconde était peut-être la plus facile à utiliser dans ce genre. Et donc il est venu à collectionner la Joconde, et il a eu chez lui des milliers d'objets. Je montre là quelques vitrines avant le déménagement, puisque ces œuvres, comme je viens de le dire, sont maintenant au musée du Louvre. Donc tous ces objets qui sont des objets publicitaires pour la plupart, avec des abat-jour, avec évidemment des boîtes à neige là qu'on trouve dans les magasins de souvenirs, des cendriers, toutes les sortes de cendriers possibles et imaginables, et puis comme vous le voyez, toutes les déclinaisons que l'on peut voir dans des vitrines qui étaient installées chez lui, classées par thème, et que nous avons évidemment essayé de conserver de la manière la plus rigoureuse possible, c'est-à-dire en gardant les groupements, parce que c'est ça qui était bien sûr tout à fait intéressant. Alors, il vous explique. Je me suis dit, je vais prendre une œuvre célèbre, simple. La Joconde m'a paru la meilleure solution, parce que c'est l'œuvre la plus. Il y a un seul personnage, il n'exprime pas grand-chose, finalement, il est très, très ouvert, et il se prêtait bien. En plus, il est célèbre. Donc, on le reconnaît toujours d'une manière ou d'une autre, et dans le monde entier. Is it only 'cause your lonely men have blamed you for that Mona Lisa's change that's in your smile? You look strange too. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this the way you hide a broken heart? I'm so lonely. Any gorgeous fellas out there? Mona Lisa. Donc, vous avez vu l'intérieur de ce collectionneur, et vous avez pu voir la multiplicité des objets qui ont été créés à partir de la Joconde. Alors, j'en ai sélectionné quatre pour, en conclusion de cette présentation, réfléchir tout de même à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que on a vu au départ des raisons très nobles. Le génie de Léonard de Vinci, la technique et l'esthétique formidable du tableau, le fait que ça représente une femme, une belle femme, et qu'il y a ce mystère, il y a cette notion d'éternel féminin. On a vu évidemment des grands événements médiatiques, le vol, la présentation aux États-Unis ou au Japon, et puis on a vu également comment est-ce que les médias avaient pu être amené à utiliser, particulièrement la presse et l'art de la caricature, avaient pu être amenés à utiliser la Joconde avec leur représentation d'hommes politiques ou d'acteurs. On a vu tout cela. Puis on a vu que ce phénomène médiatique devenait un phénomène commercial. On avait vu d'ailleurs que ça s'est passé très tôt, puisque ce premier objet commercial pour des eaux purgatives était tout de même une grande curiosité. Mais il y a également des pots d'orange, il y a également du papier hygiénique, il y a également des objets triviaux comme tout ce qui tourne autour des toilettes, par exemple. Donc il y a eu toutes ces déclinaisons commerciales. Et ça, c'est très, très étrange, parce qu'à un moment, ce tableau qui était considéré comme le chef-d'œuvre, comme la plus belle œuvre qu'on puisse avoir en tête en référence lorsque l'on pense à la peinture, à de la peinture, devient un objet de représentation vulgaire, triviale en tout cas, sur des objets qui sont des objets de la vie quotidienne banale, voire parfois des objets qui sont de mauvais goût. Alors là, il y a des exemples. Tout d'un coup, on a des porcelaines où on représente ainsi la Joconde, et puis on a des objets comme cet étrange canard de bain. Là, pardon, attendez, j'ai fait une petite fausse manœuvre. Voilà. Comme cet étrange canard de bain ici, là, qui est un canard de bain en Joconde. Enfin, on a. Et puis on voit qu'il est utilisé sur des boîtes de bonbons, sur des bouteilles de vin, etc. Donc comment est-ce qu'on arrive, et c'est ça le mystère de ce succès, comment est-ce qu'on arrive à passer de ces raisons d'une notoriété qui sont des raisons extrêmement nobles pour aboutir en fait à une utilisation quotidienne, commerciale de ce tableau. Alors on peut trouver ça choquant, on peut trouver ça gênant. Moi, je trouve ça formidable, parce que c'est la plus belle preuve de réussite
d'un objet, d'une personnalité, d'une œuvre en l'occurrence, que quand elle devient quotidienne, quand elle vient faire partie de la vie quotidienne, et que tout le monde, lorsqu'il regarde un objet, même un objet de la vie de tous les jours, se dit « Ah, mais ça, oui, c'est la Joconde. » Puis même, c'est le Louvre, parce que la Joconde devient aussi parfois l'œuvre de musée par excellence. Alors, bien sûr, il faut en permanence revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut revenir au tableau lui-même, à sa beauté, à son étrangeté. J'ai juste, pour le plaisir de l'œil, montré quelques détails du tableau qui montrent cette virtuosité picturale. Et c'est ça la chose la plus importante, la chose essentielle, qui évidemment est au cœur de l'admiration qu'on a pour l'œuvre. Mais en revanche, il faut aussi accepter que les créateurs, dans tous les domaines, s'amusent avec cette œuvre, jouent avec. Alors, évidemment, Gaston peintre, c'est assez étonnant. Franquin montre Mademoiselle Jeanne en Joconde, et puis il parle du sourire, voilà. Et puis, alors, plus proche de nous, le fameux Le Chat, qui fait ses commentaires habituels, cette fois sur la Joconde, hein, une œuvre de Gueluc, qui montre que, ben, aujourd'hui, c'est ça le succès de la Mona Lisa. C'est ça, la force de sa notoriété, c'est que tous ces créateurs s'en amusent. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est aussi que dans la vie de tous les jours, on retrouve cette œuvre sur des objets quotidiens que nous venons de le voir. Et puis, je terminerai sur cette note. Alors, le petit Léonard revient et il a de l'humour, il rit, il s'amuse. On termine avec lui. Mais si vous allez sur Internet aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images qui représente la Joconde avec un voile. Et ça renvoie, en fait, à notre réalité d'aujourd'hui. Je n'ai aucun jugement de valeur ou de jugement politique ou moral là-dessus. C'est un constat. Aujourd'hui, dans toutes ces questions qui traversent les sociétés à travers le monde, la Joconde existe aussi parce qu'on l'utilise comme une image forte, qui permet d'évoquer un des grands débats, un des grands sujets de notre monde contemporain. Donc elle est encore aujourd'hui, elle est véritablement universelle et éternelle, jusque dans les représentations, dans les détournements que l'on peut faire aujourd'hui sur Internet. Je vous remercie beaucoup de votre attention et nous allons terminer avec un scopitone. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est en fait un clip qui n'est pas très très connu, mais qui montre un étrange Serge Gainsbourg et une étrange... j'ai oublié son nom tout d'un coup, Jane Birkin, voilà, je l'ai retrouvé, qui chante Elisa, et non pas Mona Lisa, dans le jardin des Tuileries, devant le musée du Louvre, avec des tableaux de la Joconde. Donc nous nous quitterons sur ces images, et je vous remercie beaucoup de votre attention.